Il y a 20 ans, durant le siège de Sarajevo, nombreux sont les artistes et les intellectuels à être venus témoigner de leur soutien aux habitants de la ville. Le photographe Gérard Rondeau était de ceux-là. J'ai eu ce sentiment d'avoir envie d'y être, non pas qu'on serve à grand-chose, mais simplement d'y être parce que j'étais révolté par la position à la fois de la France et la position de l'Europe qui laissait ce siège perdurer, ce qui était quand même une situation absolument impossible en Europe. Entre 1992 et 1996, l'homme effectue plusieurs séjours dans la ville, avec pour objectif de montrer les cicatrices de Sarajevo, ouvertes par la guerre. Mon obsession était comment essayer de traduire le siège. Et donc je me promenais seul dans cette partie de la ville qui était, mais absolument vide. Enfin, je me souviens exactement des perspectives avec rien, c'est-à-dire les toits, la mosquée, un chien qui passe peut-être, et puis la nuit qui se reflète. 20 ans après, Gérard Rondeau expose à la Médrassa de Sarajevo. Le photographe nous invite dans un voyage en noir et blanc, partagé entre jeux d'ombre et traces de la guerre. À un moment, ce petit personnage, à travers cette fenêtre, c'était en janvier 1994, il me semble que ça traduit assez bien le siège de Sarajevo. C'est-à-dire que c'est une photo silencieuse qui peut-être peut imaginer ce qu'était la solitude des Sarajeviens. Ici, Gérard Rondeau mêle aux stigmates de la guerre de Bosnie des images des séquelles laissées par la Grande Guerre dans l'Est de la France. C'est une confrontation de par le temps, de guerre pas si éloignée. En Champagne, Reims n'a jamais été, la ville de Reims n'a jamais été assiégée, mais elle a été quand même complètement détruite pendant la guerre. Et le mêler à cette réalité qui était le siège de Sarajevo, je trouve à toute sa légitimité. L'exposition sonne comme une réflexion sur les conflits qui ont déchiré le XXe siècle, comme une résonance du chemin des dames à Sarajevo.